Yo tout le monde, c'est GG, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va continuer le let's play sur Red Dead Redemption. Donc comme vous vous en rappelez dans l'épisode précédent, je suis mort. C'est Will, un truc comme ça, qui m'a tué. Et il y a une dame, donc c'est elle là, qui est sur le cheval, qui nous a récupéré. J'avais une balle dans le foie ou je sais pas quoi. Et elle m'a récupéré et là je dois l'emmener je sais plus où. Et dans l'épisode précédent, j'ai dû quitter la vidéo parce que ma mère m'avait appelé. Désolée, hein, mais j'ai dû répondre quand même. Donc du coup c'est reparti. Donc du coup l'autre épisode n'a pas duré très longtemps. On a juste un peu. Ouais, donc du coup j'ai pu quitter la vidéo parce que sinon ça durait trop longtemps. Ça vient de jouer. Ah. Vous avez attaqué Bonnie? Donc du coup c'est Bonnie qui nous a aidé à s'en sortir. C'est pas grave, on va refaire la mission, au moins vous comprendrez tout. C'est Bonnie et quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est son mec ou je sais pas. Donc du coup, c'est parti pour un nouvel épisode. Troisième épisode. Normalement, vous y voyez mieux parce que je crois que j'ai zoomé un peu plus. Parce que ma caméra s'est éteinte. Super. Et donc normalement, si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, j'ai bugué. Quand je suis tombée du toit là-haut. Alors on va essayer de refaire le même d'ailleurs. Vous vous rappelez, j'étais tombée là-dedans, oui, de la tuile. Hop, j'avais sauté là comme ça. Hop, et j'étais tombée. Et j'avais bugué. Ah non, ça me refait pas le bug. En plus, cette fois-ci, je me relève un peu plus vite. Hop. Monsieur Marston, je sais pas quoi. Ouais. Bon, du coup, on va faire un tour. En cheval. Marcher avec Bonnie. Comme dans Toy Story, Bonnie. Do you even know where you're going? Je suis là, vas-y, avance. Ah ouais, c'est vrai, il n'y a plus de klaxon là-dessus. That's the foreman's office up ahead. Il y a sûrement de la technologie. Where we call trimmer. That's good to know. Ah, je vais essayer de la pousser avec le cheval. Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Headshot! 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 Donc il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo gaming quand même, hein? Sur la chaîne GG Gaming. Donc hier vous en avez eu deux. Alors je dis hier, mais moi j'étais en les trois d'un coup. Ouais, donc je prépare mes vidéos. Ce qui m'aide un peu quand même, parce que des fois je suis sûr que je n'aurai jamais le temps. Soit vous aurez deux épisodes par jour, soit un épisode par jour. Désolé si ça parle en anglais, je peux rien faire pour ça, c'est un jeu américain. Donc du coup je peux rien, désolé. Sinon. Donc aussi, si vous ne savez pas pourquoi je fais une vidéo, un let's play sur un vieux jeu qui a 8 ans, je crois, comme ça. Ouais, genre 2009 c'était. Ouais, c'était il y a 8 ans. Donc c'est un jeu d'il y a 8 ans et je fais un let's play sur ce jeu, pourquoi? Parce que en printemps 2018, il y aura le 2. Donc en attendant le 2, on va faire le 1 comme ça. Et ben vous aurez aussi le 2. Si vous aimez, hein, mais moi en tout cas je le ferai. Ça me gênera pas de le faire si vous aimez bien. Donc, du coup, on a un cheval. Attention à vous. Donc, franchement, ce jeu il est super bien. Et si vous voulez jouer aux deux, d'abord jouez à celui-là. Why don't we relax a minute before we head back out?
En fait, je joue sur PS3. Hein. Ceux qui savent pas encore. Hop. Ah. Bon, allez, je descends. Hop là. Et ciao. Remontez sur votre cheval. Ah. Qu'est-ce que tu veux, gros? Ah, il galère à contrôler. Allez, maintenant, je t'attache. Tu bouges pas. Je vais t'attacher. Donc voilà, donc normalement... Je parle pas. Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I can use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Attendez, je vais toucher juste ma blade. Mr. Marston. Miss McFarlane. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Donc, peut-être que je repréparerai encore une vidéo. Ouais, comment les monter? Peut-être que je repréparerai encore une vidéo pour demain. Ça vous fera deux vidéos déjà sur demain. Et aujourd'hui déjà vous aurez trois vidéos parce qu'après j'ai refait une vidéo. Ça, c'est sûr. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Mais là normalement je... Faut que je finisse une mission en fait. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier if someone's along with me. I feel a lot happier now I got a truck. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Allez, accélère, accélère, accélère. Yeah. Let's go. C'est bien. Là, je crois qu'on va à la chasse. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ah ouais, débarrasser les lapins. Or désolé pour ceux que ça me dégoûte. Moi personnellement ça me fait rien. Pourquoi? Parce que en fait c'est pas choquant, c'est un jeu. Donc voilà. Et puis surtout c'est pour cela que vous craignez les trucs de sang, tout ça, où on tue des animaux, pas besoin de regarder ce let's play, ça ne servira à rien. Parce qu'après mettre des commentaires, ouais tu tues des animaux même dans un jeu, ça se fait pas. Ça sert à rien quoi de regarder. Après moi je m'en fous hein, des commentaires méchants. Come on.
You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Vous pourrez regarder la partie, vous pouvez dormir, ok. Lorsque vous vous couchez, on se réveille à 6h du matin, il me dit, vous trouvez aussi des munitions dans la malle qui se trouve dans le coffre. Ok, sauvegarde en cours. Donc du coup, on va arrêter ça tout de suite. Voilà. Je continuerai à jouer demain, moi. Donc du coup, voilà. Alors, nous en sommes à 11 minutes de... quasiment 12 minutes de vidéo. Donc, ce let's play va s'arrêter pour... enfin, pour moi, ça va s'arrêter aujourd'hui, mais vous, ça va continuer. Hein. Les vidéos vont continuer sur ce let's play, sur ce jeu, voilà, qui est là. Dead Redemption. Moi, je vais vous faire encore une vidéo sur... je vais vous montrer le jeu, vous savez quoi. De toute façon, cette vidéo-là sortira le lendemain quand je tournerai cette vidéo. Voilà. Or, celle-là, je vais la... Voilà, celle-là, là, sur ce jeu. Ce jeu, je vais le faire maintenant, là. Qui sortira ce soir. Et cet épisode-là qu'on vient de faire sortira demain. Quand je tourne cette vidéo, je vais vous montrer la vidéo où j'en suis. Là, regardez, je suis le 13 et cette vidéo-là sortira le 14. Et les trois, j'en ai les deux que j'ai tournées sortiront bah, aujourd'hui. Voilà. Bon. Sur ce, on se quitte sur cette image. Ciao, ciao.